la vidéo. Et ce soir, pas de révision, ou sinon je vais. Coucou à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui, c'est un jour de grève. Je suis pas en retard, mais on sait jamais, donc je vais essayer de partir maintenant. Du coup, j'ai une copine qui m'attend à la gare et je vais pas trop la faire patienter. Il y a un truc sur mon écran. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Coucou, donc là on vient d'arriver. On a cours de quoi? 4-4. Donc on verra ce que ça donne. Je vous dis à tout à l'heure. Plus du tout. Ça marche plus du tout. Non, genre je pouvais pas les prendre ici. Pourquoi j'avais de m'avoir envie alors que j'étais. Pourquoi t'allumes l'ordi? J'aime pas. Ça c'est Nelly. Elle allume l'ordi alors qu'elle a son ordi. J'ai pas fait exprès. Mercredi 25, voilà. Hier j'ai commencé à vlogger un petit peu, mais bon, le vlog a dû durer 2 ou 3 minutes parce que je vous ai abandonné après. Je vous ai vraiment abandonné en plus, mais c'est pas grave. En plus, hier c'était un jour de grève, donc on est rentré, il y avait pas mal de monde dans les transports. J'étais un peu fatiguée, etc. etc. Ensuite, j'ai été à la salle de sport, du coup, ça m'a mis encore plus KO et. Je crois que ça m'a suffi pour aller me coucher et me réveiller aujourd'hui à 6h. Du coup, j'ai fait pas mal de choses ce matin, mais bon, voilà. Je voulais tout simplement vous dire que mes partiels commencent dans... On est le 25. Dans 15 jours, jour pour jour, voilà. Donc, on va dire que je me suis pas trop... Enfin, pas assez bien organisée. Car je m'attendais à ce que... Voilà, novembre, on est rentré en septembre et mes partiels sont quand même en octobre quoi. Et je crois que j'ai 4 matières à passer en octobre. Le reste, ça sera en janvier. Mais bon, on va essayer de valider ces 4 matières parce que sinon ça sera compliqué quoi. Et j'ai aussi la 2-6 à réviser au max. Donc ceux qui ne savent pas pourquoi j'ai la 2-6, etc., etc., je vous mettrai la vidéo ici. T'as été au sport ici? Ouais. C'est bien. T'as fait quoi? Cardio et un peu de muscu. C'est bien. Et toi, tu as été? Je vais commencer à avoir le choix. Re-coucou le vlog, donc je me suis fait une petite salade, donc concombre, avocat, de la laitue et du thon, voilà, du thon en boîte. Je vais mettre de la sauce et je vais manger tout ça. Je vous reprends tout à l'heure. Hello. Donc j'ai fait un make-up assez rapide parce que je dois vous filmer une vidéo. Mais au final, je vais sortir, donc je vous filmerai pas la vidéo. Et ce soir, pas de révision, ou sinon je vais réviser très tard. Donc demain, je vous filmerai
Mon rouge à lèvres, il est grave différent. Bref, je vous dis à demain. Je clôture ce vlog, c'était un mini vlog. Mais demain, on commence les révisions sérieusement. Voilà. Coucou à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui, en fait, je devais vous vlogger toute la semaine, mais j'ai rien vlogué. J'ai. Ouais, j'ai vlogué par-ci par-là. Aujourd'hui, on est vendredi, j'ai pas cours cet après-midi. Donc je vais réviser au max. Je vais quand même, je pense que je vous aurai quand même mis mes tentatives de vlog du début de semaine. Mais bon, aujourd'hui, vendredi, on va vlogger toute la journée. Après, ça sera un vlog ménage, révision. Et il faut tout de suite que j'aille poster un courrier pour Navigo. Parce que j'ai perdu mon pass Navigo il y a 7 jours. Et du coup, j'ai 8 jours cachés de la poste faisant foi pour poster mon ancienne carte afin qu'on me rembourse les frais. Donc faut que j'aille aujourd'hui, c'est sûr. Voilà, du coup c'est la petite lettre que je dois poster. Je vais pas aller directement à la poste. J'avais déjà des timbres qui traînaient, donc c'est toujours utile. J'espère qu'on n'a pas vu mon adresse au dos. J'espère. En tout cas, je vais poster cette lettre et voilà quoi. Et là, je dois partir maintenant, sinon je suis un peu en retard. Donc là je sors des cours, il est 11h45, je vais aller à Paris Store de Belleville. C'est un espèce de commerce où ils vendent des choses un peu asiatiques. Je crois qu'on m'entend pas très bien, je vous reprends tout à l'heure. Ça j'aime trop, c'est trop bon. Je crois que je vais prendre une grande bouteille même. J'ai vraiment envie de tester et de me faire des sushis. Ça me donne vraiment envie de tester et de me faire des sushis. Il y a 30 secondes j'imagine, j'ai été faire des emplettes chez ton frère. Non, c'est pas chez ton frère, je voulais aller chez ton frère mais c'était trop loin, donc j'ai été à Paris Store. Donc voilà, j'ai fait des emplettes à Paris Store. Je voulais vous faire une vidéo dédiée pour vous montrer tout ce que j'avais acheté, mais finalement je pense que j'ai pris trop peu de choses et que la vidéo sera assez courte, donc je vais vous l'inclure dans le vlog. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Ça sera inclus dans le vlog, donc là vous voyez le vlog, vous voyez que c'est inclus. Et je compte retourner dans 2-3 semaines, et là je ferai un peu plus de courses, un peu plus d'emplettes, j'achèterai pas mal de choses quoi. Et là je vous ferai un haul vraiment dédié. J'ai repéré d'autres choses mais j'habite assez loin, c'était bref, je m'étale, je vous fais le petit retour de course. Donc du coup je me suis acheté ces chips là. Donc c'est des chips mais ils sont sucrés. Je vous avoue, je les ai déjà goûtés. Donc je vous disais, celles-ci elles sont sucrées, celles-ci elles sont assez salées et j'aime bien les mixer en fait. Ensuite je me suis pris une petite botte de persil. J'ai pris des mochi. Voilà, donc j'ai pris coconut et peanut. Donc j'en ai jamais mangé et bah, c'est l'occasion de tester tout simplement. Ensuite j'ai pris du lait de coco. Voilà, cette boisson d'aloe vera, je l'aime trop, je la trouve trop bonne. Après niveau calories, il y en a pas mal, les ingrédients sont pas oufissimes non plus, c'est très très sucré, mais bon voilà, à consommer avec modération, mais j'aime bien. Bref, en tout cas voilà les dumplings, je vais vous mettre une petite image, du coup je vais les faire tout à l'heure.
Et j'en ai pris au poulet et aux légumes. Et genre ça a l'air trop trop bon. De la sauce piquante parce que je n'en avais plus. Partout par là. Ouais, c'est des ramen. Du coup je me suis pris ça comme ramen. C'est quoi? Fruits de mer. Là c'est bœuf. Là c'est quoi? Fruits de mer aussi. Et ensuite je me suis pris des udon. Donc je ne connaissais pas les udon. J'ai vu une fille, une youtubeuse sur YouTube. Elle avait cuisiné des udon pour elle et son frère. Et j'en ai eu envie. Voilà. Du coup je me suis pris des udon. Il me semble que c'est déjà cuit et qu'il faut juste faire chauffer. En tout cas ça a l'air trop bon. Et je vais essayer. Peut-être que je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai fait. Et ouais, là je vais ranger. Je vais cuisiner. Je vais vous montrer un peu ce que je vais cuisiner. Normalement, bah, je vais faire les dumplings. J'aime trop ça, c'est trop bon. Et une petite salade à côté, je pense. Et ensuite, révision. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais mes partiels sont dans... Enfin, le premier partiel commence dans 11 jours ou 12 jours. Je sais plus. En tout cas, ça arrive. Donc, on va bosser. Bon, et eh bien j'ai lavé tout ce qu'il me fallait, donc concombre, salade, tomate et un petit avocat. Et il me restait du thon. Je m'étais fait une salade de thon hier, donc ça sera ça. Et des dumplings. Donc là, je viens de terminer ma petite salade. Je vais aller faire cuire les dumplings. Voilà, ça se prononce comme ça normalement. Je vais les faire cuire et ensuite je vais manger. Et après, réviser un petit peu. Voilà, donc je vous reprends. Bah, je vais terminer de cuisiner avec vous. Vu que j'ai commencé, bah, on va finir quoi. On va faire cuire. Non mais vous me voyez depuis tout à l'heure, je suis là, je surveille pour pas que ça brûle. Et là j'ai juste monté un peu le feu, je suis allée terminer parce que je regarde une vidéo sur YouTube et ça a cramé, ça me saoule. Je crois que j'ai mis trop fort en fait. Oh là là. Du coup tout a cramé, oh mince. Bon, et eh bien je vais finir la petite cuisson. Je vais le manger quand même. Bon, ça n'a pas totalement cramé. Si, quand même un peu. bah, je vais finir et je vais manger. A tout à l'heure. Tout simplement mettre un petit peu de cette sauce. Et je rajoute ça au-dessus. Voilà.
Voici mon repas du jour. Ensuite, on va réviser. Et ensuite, je vais vers 21h, mais on ira à la salle de sport. Voilà. Mon petit programme. Je vous dis à tout à l'heure. Coureux. Il y a un avion qui passe. Je sais pas si vous entendez. On va attendre. J'ai bien mangé, mais je vous ai même pas dit, mais j'ai grignoté un petit peu les chips que j'avais pris. Après, j'en ai pris, allez, 5 ou 6 quoi, j'en ai pas non plus mangé des masses. Je suis KO, je vais aller dormir, je vais essayer de dormir une heure et ensuite me réveiller pour réviser. Donc, je vais clôturer ce vlog là maintenant. Si je me réveille et que je vais au sport et que je révise ou quoi, je vais peut-être réouvrir un autre vlog ou continuer le vlog. Mais franchement, je suis un peu KO et j'ai pas mal vlogué aujourd'hui. Donc je pense que voilà, le vlog risque de durer environ 12 à 15 minutes. Et pour moi, ça suffit. Je vais revlogger demain. Je vais essayer de vlogger un peu tous les jours pour vous montrer mes révisions. Là, je vous ai pas montré mes révisions parce que je clôture le vlog et je vais réviser juste après. Mais demain, normalement, je vous montrerai mes révisions. Et peut-être que je réouvrirai le vlog pour vous montrer un peu mes révisions. Mais là, je suis KO. Et je risque de réviser affalée sur mon lit parce que je suis vraiment KO. En plus, c'est le week-end. Donc, pardonnez-moi, mais demain, vous aurez mes révisions. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Naya, Naya,